Re tout le monde, petit spell lucky des familles, tranquinal, peinard, pépouze. Programme de ce dimanche après-midi, donc un petit peu de spell lucky, une heure environ. Ensuite, Arc Fatalis, je continue mes aventures. Puis, probablement, j'enchaînerai vers 18h sur du Portal 2 en solo. Et je bouclerai ma journée de jeu sur le tableau mystère à 20h et des brouettes. Voilà, c'est le programme prévu. Allez Zou, oui j'avais fait un premier niveau, merde, vous voyez ma barre de Windows. Voilà. Ouh. Ah merde, il faut peut-être que je clique sur le... Oui, ce sera peut-être mieux comme ça. Ah. Ah, vu le matos là-dedans, c'est tentant. Merde. Ah, je pensais que j'avais bien... Mais non, mais... Oh, je fais de la merde. Je peux recommencer. Je me fais sauter parce que je peux recommencer. J'ai confondu le... Enfin, j'ai merdé. Bref. J'aurais pas dû larguer des bombes comme ça. J'aurais dû les déposer, pas les lancer. Oui, bon, ça m'apporte rien. À part le fait de zigouiller, voilà, ça fera un ennemi dans la compta. Carnage. On va se ressaisir. Ma sortie de table est... Wouh! Petit pois carotte qui me pèse, mais pas sur l'estomac, sur la conscience. Est-ce possible? Je joue mal sorti de table. Non, là, il n'y a rien. Il y a une chauve-souris qui m'attend, une merde débile. Ça sert à rien. Ah, merde, il y a un joyau. C'est tentant. Mais le problème du joyau, c'est que là, il est trop loin. Pardon, merde, je m'enrhume. Ce qui est intéressant, c'est que en bas il y a du matos. J'ai envie de dire, le matos ne se refuse pas. Ah, il y a une ninja que je pourrais pas atteindre. Vu la config, je vais pas. C'est haut. Ouais, il y a un coffre de la tuyasse. Là, j'ai... On va voir si le fantôme n'arrive pas. Pourquoi pas. Je vais mettre le caillou là, je repartirai avec au niveau suivant. Je vous avais déjà fait la démonstration de l'intérêt stratégique. D'avoir un caillou sur soi. Heureux, fun fan. Donc là, je sauve la blonde, entre grosses guillemets. À moi le trésor. Tant que j'ai la liberté de me promener dans la dans les grottes, enfin dans la mine, on va pas s'en priver. Le fantôme ne s'est pas manifesté à moi. Et je disais des bêtises d'ailleurs. Je disais qu'au bout de 3 minutes, il arrive le fantôme. Et j'avais réagi, j'avais vu mon chrono, là, on voit 2,26. Quand j'avais revu je sais pas, un ralenti quelconque. C'est pas 3 minutes, c'est au bout de 2 minutes 30. C'est pire que ça. Ça, ce serait bien qu'elle puisse déclencher un piège, elle. Oh, cette configuration de merde.
fallait que je déclenche le piège. Oh mon dieu! 12 bombes. Merde! Voilà, c'est ça que je voulais faire initialement. Merci. La blonde est là. Ah, puis un... Pareil, combien qui va se sentir agressé? Non, ça va. Il faut faire gaffe, les bombes près des marchands. Ils réagissent très mal, ils se sentent vite agressés. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Merde! J'ai merdé ce que je voulais faire. Allez, sauver la bombe. Eh ben ça m'a repensé du guac, avec la... Ah, puis il y a des choses qui m'intéressent, le marchand. J'ai des... Oh, c'est dégueulasse. Non, j'ai fouetté le chien. N'importe quoi. Merde. Non, je fais nappe. Je vais me calmer parce que comme il y a le marchand, il risque de mal le prendre. Je vais essayer quelque chose avec le caillou. Merde, elle est là. Ah, la peau de vache, elle est là. Merde. Oh, merde. C'est une configuration de ch... tant pis pour la blonde. J'ai hâte d'acheter des trucs chez le marchand. J'ai pas vérifié s'il y avait des bombes. J'achète tout, monsieur. Merde, j'ai pas cette thune. Ouh, abat le fantôme. Ouh. J'aurais pas dû jeter mon caillou. Pilote qui arrive. J'aurais pas dû jeter mon caillou. Ah là 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 là, la cochonnerie, moi, je vous le dis. Ah bah non, que je suis con. Je vais pas me présenter au piège. Donc j'aurai pas les trois lingots. La bonne veille. Ouh, là, par contre... Ah bah oui, c'est déjà... oui. J'espère qu'il n'y a pas la bombe là-dedans. Ah! Cochonnerie. Aussi, merde, mauvais lancer. Voilà. S'il y avait des... Oh là là, le marchand qui vend des trucs qui me plaisent pas. Je vais me barrer là-haut. Il y a un cobra, gare, ça va être sport. Ouais, ça va. Hop là, il n'y a plus de cobra. Très bien. Ah, j'aimerais bien prendre le rubis, mais non, la caisse, c'est même pas la peine. Ça marchera jamais. Je ne l'aurai jamais. Bombe, prendre la flèche en projectile. Balancer la flèche de merde. Merci. Alors j'aime pas le piège. Je sais même pas si je dois aller là. Oui non. Ah oh, la blonde est en dessous en plus, d'accord. Ça va être sport. Non, ça vaut pas le coup d'aller là. Je sais même pas où est le coffre avec la serrure. Alors, bon, c'est bien. J'ai exposé le. Meurs, vilain bait. La vilain bait. Oh. Alors, si mademoiselle veut bien me suivre. Hop là. Bien, bien géré. Ça va. C'était pas trop méchant.
comme configuration de tableau. Ding. Ding. Ah non! J'aime pas les sadomaso. J'aime pas. Ouais, non, je me barre avec ça. Ah, cette configuration de chiotte. Oh merde. Merde, des montres. Ouais, petit rubis des plaisirs. Oh, il y a les deux hôtels. Il y a le sacrificiel de Kali et la statue. Avec lequel j'aime chemer le bordel. On va avoir le de bœuf. Hop là. Merde. Oh, j'en ai eu une par rebond. Et j'ai super mal géré l'autre. Lui, il fait suer. Voilà. Alors, on peut le dire, il y a une araignée au plafond. Oh là là, J'aimerais sauver la bombe avant de balancer le gros boulet destructeur. Oh merde! Je pensais pas toucher l'hôtel de Kali, moi! Bon, bah terminé. Là, je me suis fait guaquer parce que pendant un instant, j'ai pris la toile qui était à l'opposé, complètement à gauche. Je l'ai prise pour un piège lanceur de flèches. Mon cerveau a bugué. On recommence. Allez. J'étais pas dans le coup. Concentration. Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire durant ma pause déjeuner, débrancher la PS3. Joli. Joli. Non, je vais passer par là où la caisse a bien pété. Voilà. Alors, libérons la dite blonde. Voilà. Elle va momentanément gagner son indépendance. On n'a plus qu'à espérer qu'elle ne tombe pas sur des pics. Ah, il y a du matos là-bas, ça m'intéresse. Shaman Teresh. La lecture du tableau est pas facile. Ouais, là, y a pas de risque. Alors, hop, merde. Voilà, de l'intérêt de magnifique. Je sais pas où il est sorti, je la vois toujours pas. À mon avis, le fantôme va pas tarder à se pointer là. J'ai un petit peu trop flâné dans le niveau. Hop, tant pis, la bombe m'aura servi. Je ne sais pas où faut se rendre. Ah, c'est là-bas. D'accord, on y est presque. J'irai faire la zone de bonus. Une fois que la blonde... Bonjour, grand sage de l'Est, paix et félicité, les oubliés. Bonjour, Poupon, merci, c'est adorable de renouveler l'abonnement, j'espère que tu vas bien. Bisous tout plein, merci, Poupon. C'est rigolo, j'ai des voix aléatoires maintenant sur ma chaîne. Je démarre un direct et Westbot me choisit une voix au pif, c'est rigolo. À chaque fois, c'est une surprise en ce moment. Alors, attendez. Alors, est-ce que ma cupidité aura raison de moi? Visiblement, non.
Visiblement, j'ai réussi. Ah là 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 là. Oui, merci à vous d'être là. Fichtre, merci pour ta générosité. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci, merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Pourquoi je saute bêtement alors que je m'apprête à sauter dans un précipice? C'est une meuf. Hérésie, mon truc. Je cherche à me faire mal, en fait. Ça va bien, je rentre du restaurant après un repas succulent. Ah, c'est beau, ça. C'est bien, je suis content que tu aies pu te faire plaisir, Popon. C'est cool. Alors, moi, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais... J'avais une grosse envie de petits pois carottes avec un simple steak haché. Et ben, croyez-le ou non, mais je me suis régalé ce midi. Ça m'a fait un bien fou. Merde, j'ai merdé mon escalade, j'ai merdé la chauve-souris, j'ai tout merdé. Ah. Mon premier resto depuis 6 mois. Ah. C'est beau. Non, la blonde. J'ai voulu la retenir et je me suis pris trop tard. La malheureuse. La malheureuse. Je crois qu'elle se prend encore une baigne et la malheureuse est morte. Mais il n'en sera rien. Ce sera juste assommé. Ah là là. Mais en même temps, c'est une blonde. Hein. Ouais. Non mais ouais. C'est... Soupir. Ah, fosse au serpent. Alors les bisous pour la vie, c'est sympa. Mais les bombes, je préfère. Oh, j'ai provoqué l'araignée, je suis un monstre. Alors attendez. Merde, c'est pas ça qu'on allait faire. Oh, pff, trois lingots d'or. Hein. Ouais, je préfère passer par là, encore que. C'est... Ah non, merde, j'avais pas vu la flèche et il y a un sadomaso. Oh là là, c'est quoi ce tableau de la mort? Merde, alors que j'ai mal rebondi sur le deuxième. Oh, il va me démonter, lui. J'ai eu chaud. Merde, une araignée. Que j'ai mal géré. Tout va mal. Génial. Je fais mal. Lui, il est mort du cobra, là. Mais c'est pas vrai. Oh, la chauve-souris, l'araignée, il y a tout à gérer, là. Non, je l'aurais pas. Non. Merde, j'ai lancé une bombe qui est con. L'appât du gain va me tuer. Ou pas. Ah ouais, non, ça vaut pas le coup de sacrifier une bombe. J'aimerais avoir un marchand qui vend des bombes. Alors, content de te voir en forme. Ouais, ouais, j'ai repris des couleurs, surtout après la chaleur. Les orages ont pété de la nuit de jeudi à vendredi en Lorraine. Ça m'a réveillé à 5h30 du mat, mais un spectacle, son et lumière, et la fraîcheur qui arrive, ça va faire bien fou. Il y a un sadomaso, il va me démonter lui. Oui, 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 oui. Ça pourrait faire l'objet d'une citation, mon cher Funfan. C'est vrai, c'est vrai. Ah là 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 là, faites ce que vous en voulez. Alors, la blonde est là. Voilà, merci Funfan. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal, bien relevée par Poupon. C'est vrai que je débite des belles âneries en direct. Alors. Ah, c'était sûr, ma dernière bombe. J'aime pas quand il est comme ça. Ah, il y a du matos. Espoir que la caisse renferme des bombes. Bon. Alors, attendez.
Ah, 3. Je remets. J'étais gourmand là. Je rêvais du pack de 12. Ah, j'ai raté le Y. C'est pas grave, ça se corrige, fan. Je relirai un de ces jours mon tableau de citation et je les corrigerai. Ben. T'en fais pas pour ça. Oh là là. La vache. L'épaisseur de la roche par ici. Oh, ce cobra de la muerte là, il est au perché, c'est un cauchemar. Oh merde, c'est épique. Oh la configuration de mort. Et là, faut la blonde. Oui, surtout n'y va pas. Ah, j'ai eu qu'un pic sur deux, mais non. Mais je. Putain, je vais jamais descendre. Wap. C'est la hauteur de la chute qui a fait que. Ingérable. Cette combinaison là de tableau était impossible. On va pas se mentir. J'aime bien la bande au niveau du piège. Ah, pilote qui me rejoint. Je la croyais pas capable de venir me bouffer. J'étais proche de la bombe. Alors, bah oui, si j'ai, ouais, je vais approcher, c'est la blonde qui va prendre. Là, enfin, le chien, là. Et bam, et voilà. Tiens, qui a même ouvert le coffre, merci. alors. Ce jeu de la moelleté. Je sais même pas s'il y a des pics en bas. Je prends le risque, hein. Je prends même plus le temps d'analyser les tréfonds des enfers. D'accord, c'est une configuration de tableau de. Non. Squelette en plus, ouais. Joie, tiens, mange. Oh bon. Allez, la totale. J'ai loupé là. Mi papillon, y'a quoi dans cette jarre? Magnifique. Ah, Arsenus, bonjour. Ça fait un petit bout de temps, Arsenus, comment que ça va? Merci à toi d'être là. Ah, cette non-maîtrise du saut. Je m'en veux. Oui, la blonde va venir avec moi, elle va tomber naturellement, sans risque. Et c'est ça qui est beau. Comment que ça va? Ouais, j'étais pas mal occupé. Bah, l'essentiel, c'est que ce soit bien passé, mon cher Arsenus. Et j'espère que tu vas bien. Ah, vous du diou. Je crois que le chien est mort d'ailleurs. Comme ça il va. Oui non mais il réagit plus, ouais, il est mort. Allez hop. Il a les yeux révulsés. Aïe. Oh merde, un diadème. Faut que je m'amuse à faire l'idiot avec une jarre, faut que cette dernière enferme un superbe bijou. Je suis abject. Je me barre avec. Non, j'ai pas le droit. Je voulais me barrer avec la dépouille du chien en guise de projectile. Ça va? C'est très bien. Moi, ça va, merci. Là, je suis bien. Je suis en bonne forme pour un dimanche. Je suis pas mécontent d'ailleurs, finalement, de ce que j'ai réalisé. Hein, pour ceux qui étaient là ce matin, hein, le Final Fantasy. Je me suis décongestionné. Là, j'étais neutre au niveau de la motivation en me lançant. Puis finalement. J'ai bien œuvré dans le scénar. Grande clé. Petit lingot de prout. Est-ce que ça vaut le coup de bomber? Non. J'irai faire la bomba. Ah! C'est haut! Ah merde, mais il y a un marchand là-bas. Non, araignée de mes deux. Non. Je refuse. Je suis intrigué par là. Ah. Bon, j'aurais dû ignorer ce marchand maudit. Ah. Hop là. Oula, comment je vais gérer les... Oui. Boum. Ah ah. Auprès de ma blonde. Didadidadidada. Oui, je te laisse voyager. Non. Et merde.
une bombe pour un coffre, c'est cher. Ça rentabilise pas la bombe. Il y aurait eu un joyau de plus, j'aurais dit oui. Mais là, là stratégiquement, j'y renonce. Au niveau du gain. J'aime pas cette config. J'aime pas du tout. Même le squelette, il était... Voilà, bon, je vais mettre mon passage, tant pis. Ah, si seulement. Ok. Ouais, non, je... Ah, araignée de chiottes. Ah! Voilà. Ma vengeance est totale. Bah, dans les stats au niveau bestiaire, ça me fera plus de points de quick. Voilà, j'aurais eu que 2 victimes, finalement j'en ai le double. Ma cruauté sans limite. Alors, hop là, villain bait. Merde, j'ai cru que je pouvais y aller, mais non, c'est 3 cases au-dessus, ça va pas. Ça, oh là 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 là. Non. Mais hé, hey, pars avec le caillou, Nunuche. Je finirai par affirmer qu'il y a 2 blondes dans ce tableau, là. Ça parle mal. Ah. Voilà une jarre qui était intéressante. Aou. J'ai failli merder ma réception. Hop. Joli, ça s'appelle de l'esquive. Oh, c'est complètement pété. Il y a la clé juste en dessous du coffre verrouillé. Et j'ai la bénédiction de l'œil de Kali. Alors, vous remarquez que désormais, en plus de l'or, je vois où sont les joyaux intramuros. Enfin, intramuros, c'est pas le bon terme. Dans les murs. Eh ben, ça va m'influencer dans la pose des bombes. Puisque je vais en voir la rentabilité en fonction de la localisation de Prout-Prout. Merde, je crois que la sortie était par là, moi. Attendez, je suis bloqué. J'ai pris des risques inconsidérés, je suis fou. Mais, on va venir, oui. Mais non, la sortie est là. Oh là là, n'importe quoi, mais... Je voyais la sortie, j'ai même pas réagi. Non, par contre, c'est pas tout de cumuler de la tunasse. Il faudra peut-être que je trouve un marchand qui m'offre des bombes. Là, j'ai juste de quoi acheter une boîte de 12. Ça se dépense vite, les bombes. Je me sens mieux quand j'en ai une vingtaine. D'ailleurs, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai franchi la jungle, par je sais pas quel miracle, j'en suis toujours pas revenu, là. De l'exploit. J'avais un paquet de bombes indécent. Hein. J'avais effectivement une vingtaine de bombes. Hein. Ça se néglige pas. Ah là 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 là. Je vais tenter ma chance par là. Alors heureusement qu'il y avait la toile d'araignée. Ah, le coffre était piégé. Il y avait une bombe dedans. Est-ce que ce coffre suivant est également piégé? Non. Il y a une jarre. Là, il y a une zone bizarre. Je sais pas trop comment évoluer dans le tableau, là. Bon, elle est quick. Ah, je vais pouvoir semer le chaos. Je n'y résiste pas. Avec un plus du potentiel pognon bonus. Bon, il est où le rocher? Il est plus là. Oh merde, il y avait un marchand. Et merde. Oh. Bien ma veine. C'est là où je vais voir qui proposait des bombes. Je vais le dégoûter. Évidemment, il m'attend à la sortie. Ha ha! Ta girl à la récré. J'ai 10 ans. D'être 10 ans, que j'ai 10 ans. Ta-da-da-di-da-di-da-da. Je sais pas ce qu'il proposait, son magasin est foutu. Alors, on dirait. Il n'y a plus rien.
Aïe. Ah bon, il m'a eu la chevrotine. Il ne me laissera donc jamais en paix. Oui, battu, oui. Mais battu de manière d'une violence indécente. Censurez-moi tout ça, même une petite araignée qui s'y met, allez hop. Elle s'est invitée dans la partie. Ah oui, je vois Dragon Sky qui a lancé son Far Cry. C'est bien. La blonde est dans un endroit incongru. Tout ça pour ça. Je vais péter la jarre au vol parce que je repasserai par là normalement. Non, ça c'est débile. Oh non, il y a du matos. Oh non, je suis obligé de faire péter, il y a une caisse de matos. J'ai pas le droit de... Voilà. J'ai gagné 3 bombes. Le cadeau qui ne se refuse pas. Alors, je passe par là. Mais est-ce que c'est un jeu... Pardon, je m'adresse à Poupon, si t'es disponible, Poupon. Est-ce que c'est un jeu que t'as connu, Spell Lucky? Parce qu'à la base, hein, c'est un jeu qui est gratos. Une version, c'est en presque en code ASCII sous DOS. Qu'on peut télécharger, hein, j'ai mis le lien dans mon Discord. Vous pouvez télécharger à votre guise le programme d'origine qui est gratos. D'ailleurs, il y a un Yes au siècle dernier. Ah, ça te parle. Et en fait, quand vous prenez le jeu d'origine, vous avez un éditeur de niveau qu'il n'y a pas ici dans cette version commerciale. Vous appuyez sur F4, il suffisait de lire en fait la doc du jeu pour apprendre que la touche F4 ouvrait un éditeur de niveau. Je me suis amusé 5 minutes à le voir et c'est bien foutu. Ah, Aerostar qui lance son Elden Ring. Le fameux. Alors, la jarre. La jarre. Comment je vais gérer tout ça? Merde, le fantôme est déjà là. Ouais. Ah, le plafond était bien bas pour l'araignée. Je sais pas, oui, je me barre avec ça. Tant mieux, serpent, allez, hop, la totale. De toute façon, là, j'ai la frousse du fantôme. J'ai erré trop longtemps dans le... Hop, là, je me barre. Wouh! Ah, c'était que le premier tableau. Ah, je suis choqué. Je suis choquated. Bon, bon niveau de Tudas, mais choqué... Oh, non! Oh non, là le jeu me fait un doigt d'honneur. Oh non! Ça devrait être interdit des compositions aléatoires de tableaux comme ça. Mais non, mais... Voilà, je suis désabusé. Merde, trop tard. Je peux le faire, je peux. Allez, descends plus bas, vilaine. Elle veut pas, hein. Je perds mon temps là, bon, voilà, merci. Une vilaine en moins. Mais ceux qui sont mordus du Spain Lucky, ils doivent avoir des réflexes félins. Ça a été l'impression de les voir jouer. Les grands fans du jeu là. Oh, ah, c'est. Lapin du gain est tentant, mais vraiment dangereux. Oh, j'ai 2 araignées pour le prix d'une. Lui, il vend des vêtements, en général, j'aime pas. Ouais, il vend des cordes aussi. Ouh, j'ai sauté dans le vide sans regarder. Il est imprudent, qui peut chavirer vite, fatal. Bon, allez, je me barre. C'était horrible, le coup de la blonde au-dessus du piège. Oh, n'importe quoi. Je veux un marchand qui propose des bombes dans son étalage. Y a-t-il un marchand corse dans la salle? Ça parle mal. M'en fous, j'ai pas de villa chez eux. Ils pourront pas la faire sauter. Ça parle très très mal.
Ah! Oh! C'est la première fois que je joue une grosse araignée accompagnée de la petite. Wouah! 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 Attends, mais comment je gère le truc? Je l'ai géré comme un chef. Je suis fier de moi. Vraiment. Alors là, par contre, je fais moins le malin. Allez, 3 bombes. 1, 2, 3. Je me barre. Merde, ça n'a pas pété là où il fallait. Ah! Non, mais je peux pas. Oh, quel abruti. Mais quel bonheur, quel joie. Merde, un scorpion. Non, retourne-toi le scorpion, tu m'as pas vu. Bouh. J'étais un mirage, comme dans le désert. Oublie-tu. Oh oui. J'ai assommé monsieur Sadomaso avec une... Ah. Il s'est réveillé trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a explosé ici? Merde, j'en suis mort. Ça m'a guaqué là. Une fois de plus, le jeu a encore des mystères qui me restent à résoudre. Ah, je crois que j'ai un cible dans l'œil. Ah merde. Ça, par contre, ça va être gênant pour l'après-midi. Tout est à refaire. Oh! Le tableau semble se montrer bien généreux là. Trop, oui. Elle a fait me croquer la vilaine. Je me dis, mais pourquoi je vais là? Non, la double toile, j'y vais pas, je perds trop de temps. Hein. 3 lingots. Quand même. Ah! J'ai eu un réflexe de frayeur qui m'a sauvé, mais. Ah! Oui, alors... Pourquoi pas... Non! J'aurais dû le poser, le fouetter ou le lancer. Du coup, je suis couillonné. C'est fait. En plus, j'ai... Oh! Cette chute! Ah! Oh non... Oui, la chauve-souris, vas-y. Merde, boum. Attendez, il y a des choses à faire là. Il y a une flèche à prendre et à balancer dans le. Voilà. Double flèche, double plaisir. Diront certains. Non, j'ai merdé mon. Oh. Hop là. Bonjour Torota, comment que ça va? Nous on va bien dans l'ensemble là, mon cher Torota, j'espère que toi aussi. J'ai merdé mon seau, mais c'est pas perdu si je fais pas de la... Si je fais de la merde, hein, on se l'avoue. Je fais... Voilà! Pas évident, mais faisable. Cette configuration est la mienne. On va se tomber. Bon bah la bande est sauvée. Oula. Joli. Ah c'est sûr que quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus marrant. Merde. Il est déjà là l'autre. Ah la pas du gain, Metula. Metula de la muerte. Il est où le fantôme? Il est pas. Je suis sûr pas que. Saute. La corde. Oui! Je dis oui! J'ai feinté le fantôme! Yes! Je l'ai fait. Après une nuit blanche, un peu fatigué. Oh merde! Oh là là! Est-ce que tu serais pas resté dans l'excitation de ton jeu de GIGN, là, de Counter-Strike? T'avais peut-être un effet euphorie. Dans le feu de l'action, et puis du coup, ça t'a cassé dans le rythme biologique, et du coup, t'as pas dormi, mon pauvre. Aïe. Ah, t'avais trop chaud. D'accord.
J'ai besoin d'un rocher que je ne sais pas utiliser. Merde, mais je pèse contre moi-même parce que je joue mal. Je suis un crétin. Crétin, oui. Voilà. J'ai plus qu'une bombe, c'est la merde, mais hein, c'est passé. Hop. Tout ça pour ça, puis je vais me faire bouffer par la... Non, ça va. Je me barre avec la flèche. Ça y est, mon cerveau s'est presque éteint là, tellement que je suis honteux de ma contre-performance. Nous pouvons le dire. Hop. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la clé. Donc je m'en moque, je me barre. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ah, il y a un marchand en bas. Peut-être un loot 12. Ah, il vend des armes, lui. Magnifique. Il vend... La machette est pas mal. Le zap prout-prout est pas mal non plus. Re-coucou, Nayonet. Que dire, que faire? Non! Oui! Aïe aïe aïe. C'est mal embarqué, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment mal embarqué cette session là de. Je perds le Lucky! Oh non! Oh non! Le noir absolu. Ah. Ah, c'était une horreur d'ailleurs quand j'étais petit, moi j'avais vraiment peur du noir. J'avais littéralement des crises d'angoisse où j'arrivais pas à m'endormir si j'étais conscient que j'étais dans le noir. Et moi j'avais toujours besoin d'une veilleuse, et puis tardivement, hein, presque jusqu'à l'adolescence, je vous l'avoue. Attends, j'aimerais voilà, atterrir sur là. Voilà, voilà. Voilà, heureusement que c'était ça au bout. Non, là, il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, j'ai entendu les gémissements des Neblandes. Alors, pour l'atteindre, je rappelle que je n'ai qu'une seule bombe. Ah, j'ai claqué un truc avec mon lancer de rocher. Je sais pas quoi. Le lampion veut dire vendeur? Non, pas ici. Pourquoi j'ai dit la jarre, moi? Il peut y avoir des trucs de monde, non? Ouais, une micro-pépite à 100$. Merde! Pardon, mais j'ai merdé mon... Oh, joli! J'ai merdé le saut que je voulais réaliser. J'ai des cailloux à foison. Ça descend là. Merde! Sadomaso, je l'ai pas vu! Ah! Va mourir, toi! Ben, c'est bien, il a claqué le. Ah! Oh, magnifique! Ah, oh, je me douche dans les bombes, j'en ai 28. J'adore. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous êtes... C'est combien, la colle? Tant qu'on y est. Allez, hop, j'achète la colle. J'ai du fric, c'est fait pour le dépenser. Je n'ai pas une citation de Jeff Bezos. Ça parle mal. Non! Vilain sadomaso va mourir. Merde, mais tu vas, hein? Oui, tant pis pour la blonde, hein, désolé, mais la fosse au serpent, le fantôme dans le noir. Voilà, hein? Ça résume bien le fond de ma pensée.
par rapport à l'épreuve. Je vous abandonne, Grand Prix de F1 va bientôt débuter, vroom vroom. Ah bah bon, bonne F1 à toi, Poupon, t'as bien raison. Et bonne digestion de bon resto, Vénard. Ah, les bisous, à plus, Poupon. Ah là 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 là. Merdoum. Oh. Oh. Abject au possible. Genre j'ai... Ah, il y a une caisse de... Je me donne envie. J'ai la caisse de l'envie. J'ai des bombes. Ah, oh, puis la blonde est là. Mais oui, mais... Monsieur Mister France, là. Oh merde, il s'est pris mon... Ah non. Hop là. Ça occupera Monsieur Sadomaso. Elle, je l'aime pas. L'araignée, la petite, là, je la sens pas. La grosse, je la gérerai plus tard. J'ai commis une erreur stratégique qui aurait pu m'être fatale. Il aurait fallu que dans la jarre, il y ait une grosse merde. Et là, j'étais foutu. Je suis obligé de passer par là, moi. J'agresse la... C'est tantôt, j'ai plein de monde. Oh, elle va gicler. Entre parenthèses, rire de sadique. Ah, quel coup de maître. Avouez-le, je joue trop bien, là. Faut que je calme mon euphorie, parce que c'est comme ça que je vais commettre une erreur monumentale de jeu. Hop. Hop. Alors... J'arrive pas à tout voir du tableau, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il est mes balles. Youhou! La pépite géantibus. À moi la tunasse. Alors, attends, un peu de thème de The Binding of Isaac, ton jeu le sage. Alors, je connais très mal Binding of Isaac. J'ai quelques images en tête, mais pas plus. D'apparence, le Sven Lucky. D'ailleurs, The Binding of Isaac, si tu as joué, tu en as pensé quoi? Rien, puisque j'ai jamais essayé. Je sais que le jeu est culte, hein, mais je me suis jamais frotté. L'eau qui coule. Oh merde! Oh, c'est le... Ah! Merde, j'ai oublié les tipis. Oh le con! J'ai oublié la dangerosité des tipis. Bon bah voilà, on a fait la jungle 5 secondes. C'était rapide. Non, j'ai perdu toutes mes bombes. M'en veux. C'était trop bien d'avoir autant de bombes. J'adorais. Répéter. Joli. Oula, ça par contre c'est moins joli. Non, mais... Vilain caillou, tu viens avec moi, oui. Dérivé. Ah, t'as un dérivé en jeu de société plateau en dur. Ouais. Je te reconnais bien là. Non, qu'est-ce que je fais? Moi je suis débile. Je vais pas affronter une araignée pour un caillou. Mais... J'entends la blondasse, mais je la vois pas. Where is the blondass? There isn't in the kitchen, bande de gros machos. Nope. Je n'irai pas par là. Encore que... Si je lance bien le caillou, si je peux. Attendez voir. Eh, joli! Je peux même vérifier que la jarre n'a rien. Avait rien dedans. Bah,
Où est-ce que j'ai entendu la dite bombe? Ah, elle était au-dessus, c'est vrai. Oui, bah je vais me barrer sans la bombe. Ouais, redis-moi mes 28 bombes. J'adorerais en avoir autant. Sniff. Ah, t'aimes pas Fun Fan, c'est une bouse pour toi. Si je... Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai, hein, Nayone va savoir. Mais jusqu'à maintenant, de ce que j'ai vu, j'ai pas spécialement accroché. Ah là 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 là. Hop. Ah, ils vont... Merde, j'ai pas de thunes. Mais j'ai pas de thunes sur l'argent. L'araignée, là, je l'aime plus du tout, là. J'aurais peut-être dû descendre par là. Un gain minable de 500$. Oh oh oh, joli aussi. Ah, je vois des choses qui... Ah merde, oh, la bombe elle est à 15 km, faut arrêter. Alors attendez, parce que j'allais déclencher le séisme. J'allais déclencher le séisme avant de sauver la bombe, mais... Le chaos que je peux semer peut être tellement grand que... Araignée de mes deux. Alors attends. Comment je peux gérer là? Hop, la bombe va là. Avant qu'elle retombe vite, il faut que je provoque le boulet. Ça va être chaud. Ça va. Le boulet a eu le temps de passer. Hop là. Ça, par contre, c'est plus embêtant. Puis la statue est tellement lourde que je peux pas la projeter dans la toile. Merde! Bombe! Oh, bah, oh, c'est con. La sortie est juste en dessous de la blonde. Elle va me poser problème. Ouais, non. Je suis trop prétentieux, en fait. Je suis trop prétentieux. Pride in deep love. Alors, pour dire ce jeu, moi non plus, je n'ai pas accroché, mais pourtant, c'est un jeu qui a très bien marché, le Sage. Un des premiers jeux indépendants sur PC. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon après-midi. Oui, Zoubi, à plus, Nayonay, merci. Merci, merci, merci. Oui, oui, c'est vrai qu'il a sa réputation, Isaac. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a... De manière constante, l'émoticône du visage qui pleure, là, j'aime bien l'utiliser de temps à autre pour simuler la tristesse qui est dans les émoticônes constantes de Twitch. Oui, 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 oui. La tata. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, j'ai jamais essayé. Ouais, ouais. Non, mais peut-être que ce que t'en as vu, ça t'a pas convaincu, en fait. Ouais. Tant pis s'il y avait de la boule là-dedans. Mais Caillou de mes deux, il va partir là où je veux. Voilà. Ah.
Ah oui. C'est sûr que c'est pas un petit rubis. Un petit rubis, joli chez la vie. Ça vaut pas le coup, votre truc, non, vous êtes fous. J'aime pas la config des lieux. J'aime pas du tout la config des lieux. C'est la muerte. C'est la merde. Non, j'ose même pas tenter le saut pour le diadème saphir là. Ah bah merde! Je pensais que l'explosion aurait déclenché le piège, moi. J'achuis un peu naïf. Oh, la blonde qui est complètement perdue sur la gauche du tableau, la sortie à droite, c'est ça? Bon, oui. Oui, non, mais c'est foutu, je me barre. Oui, le fantôme peut arriver, j'ai mon caillou. Alors pour moi, c'est un jeu classique qui n'a pas de scénario, qui n'a pas d'innovation de gameplay. Ça aurait pu être un jeu des années 80. Mmh. Ouais. Ouais. Oh merde, j'avais un marché au milieu. Kali a été offensé, j'en rigole. Oh merci monsieur le marchand. Oh la vache. La ribambelle d'araignée, toi. Merde. J'ai mal géré le saut. La 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 la. Allez, dernière tentative et puis après je fais du Arc Fatalis. Ah. Et rush bop. Attends, c'est un peu. Je vais un peu vite en besoin, moi, non? Oh non, go shot. Oh là là, le jeu m'a généré un tableau. Laisse tomber. De la moitié. Oh, qu'est-ce que c'est que ce niveau? Allez, je t'entends. Merde! Je me suis précipité, ça m'a tué. Enfin, tué. Bouffé une vie. Oh non! Non, c'est interdit ça. Et voilà, c'était sûr qu'elle allait me bouffer. Je, dans ces moments-là, je sais pas comment on fait pour parer le truc, mais c'est dégueulasse. Ah bah, elle a pas l'air maligne du tout, la blonde, là. Elle est bonne. Bah oui, malheureuse. Attendez. Bon. Combien de tunas? 10 000, c'est ma moyenne, c'est bien. Allez, où la suite? Next place. Je quick. C'est quoi ça? Je connais pas le... Ah, des propulseurs! D'accord, c'est une fusée dorsale à la Frank Zapata, là. D'accord. Non. Oui, c'est très risqué, je vais me faire, je suis deg.
Bon, il y a un vendeur où je peux déclencher la malédiction qui me fait rire. Et plaisir. Allez hop. Même prêt. Ah. Oui, je t'ai vu toi. L'araignée, voilà, je t'ai vu. Allez, go. Destruction! Destruction. Mmh. Par là-bas. Enfin, d'ailleurs, c'est bête, mais. Autant que je balance la récompense. Au niveau de la sortie. Ah, c'est rigolo comment c'est encastré là. Ah, la blonde est là. La blonde est là. La la la. La 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 la. La blonde est là. Yep. Ouais, je me barre avec la relique et puis voilà. Cochonnerie de serpent de mes deux. Surtout que je me suis planté, hein. Vous avez vu, j'ai donné le coup de fouet alors que j'aurais dû lancer la jarre, mais bon. Je suis plus à ça près. Oh, ça ne fait que précipiter l'heure de Arx Fatalis. À mon avis, on verra pas la jungle. Hein. Tant pis. Il y a des jours sans. Alors ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Wow! Je sais plus jouer, j'en ai marre, monsieur Sadomaso. Vous allez mourir, monsieur Sadomaso. Vous êtes le centre de mes attentions et surtout de ma frustration. C'est pour ça que je vous fouette indéfiniment. Mourez sous le coup de mes fouets. Bon, rien à péter. Rien. En plus, que devant le marchand ne m'intéresse pas. Bonjour, Nashemman, comment ça va? Le jeu qui rend fou. Allez, on peut me barrer. Merde, la blonde était là. Oh le con. Oh. J'ai tout faux, mais alors zéro pointé. Oh, j'avais une vie offerte en cadeau et je l'ai snobé. Qui l'aurait cru? Au secours, sniff. J'en peux plus. Oh, joli. Ça va bien? C'est cool. Ça va, j'ai un petit peu chaud là maintenant, sorti de table. Mais voilà, c'est accessoire, ça va bien, je te remercie. Ah, je passerai te faire un petit coucou ce soir quand tu seras sur Kick. Je ferai un bon chaîne à je sais pas qui sur Twitch, mais je vais te faire un petit coucou ce soir quand tu seras sur Kick. Il était temps que ça s'arrête, hein. Oh, oh, oh. Wouh. Allez, on va basculer dans Arx Fatalis.